pour quitter l'hôpital juste dans quelques heures. Il se retrouve à la maison. Et ici, le bébé n'a même pas encore 2 jours. Voilà, donc les mères, leurs enfants se sentent bien. Donc, c'est ici le mérite de ce gynécologue. Donc, il y a quelques 200 bébés qui sont nés ici. Donc, Ruslan a envoyé sa question par Internet. Et maintenant, vous avez la parole en direct. Bonjour, Monsieur Poutine. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Et voilà, mon collègue me dit que ici, le box qui est derrière nous, donc c'est le jeune papa. Donc, non, c'est, je vous demande pardon pour cette improvisation. Donc, il y a eu une opération médicale qui a été réalisée, mais bien sûr, on ne savait pas que ça va arriver en direct. Donc, si on est en direct avec le président russe, il y a des millions de téléspectateurs qui vous voient, qui nous voient. Donc, nos félicitations de chaque citoyen russe. C'est un 25 ans après, et puis les effets de la chute de l'Union soviétique, et on a passé pratiquement au niveau de perte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que le nombre de jeunes gens, surtout des jeunes femmes, donc c'est réduit d'une façon considérable. Voilà, pendant cette période, quand on peut devenir maman ou papa, c'est justement la génération de ceux qui sont nés dans les années 90. Les jeunes femmes de 25, de 20 jusqu'à 29 ans, leur nombre se réduit de 34%. Et les femmes avant 38-39 ans, c'est la réduction de 25%. Donc, et les gens qui les femmes qui ont jusqu'à 40 ans, ils continuent à avoir des bébés. Donc, et je vous remercie beaucoup parce que les médecins les aident beaucoup. Mais quand même, c'est une réduction considérable. Tout simplement, il y a moins de monde qui peuvent donner naissance. Donc, et nous devons faire quelque chose pour qu'on ne se retrouve pas dans une chute plus importante. Alors, ça peut être quoi? Tout d'abord, nous avons déjà des mécanismes bien élaborés. Un de ces mécanismes, vous venez de le citer, c'est le capital maternel. Il faut dire qu'il y a plus de 700 millions de familles, plus de 700 mamans ont reçu ce capital maternel. Et pratiquement la moitié d'elles se sont servies de ce capital, la première chose. La deuxième, nous avons prévu des paiements pour la naissance du troisième enfant dans les régions où la situation démographique est la plus compliquée. Après cela, la croissance de natalité, c'était de 37%. Alors, nos mesures sont efficaces. Bien sûr, ce sont des mesures qui coûtent beaucoup, mais quand nous parlons des gens, quand nous parlons de nos citoyens, parce que cela est l'avenir du pays. Alors, il faut bien calculer tout cela. Et bien sûr, on ne peut pas gaspiller de l'argent, mais il ne faut pas être avare non plus. Alors, nous avons besoin de tout un complexe de mesures qui peuvent être différentes. C'est la prolongation du capital maternel sous une telle forme, dans la forme actuelle ou autrement il faut. Alors, c'est comment encourager la naissance du premier enfant auprès des jeunes mamans. Peut-être on pourrait leur ajouter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des jeunes gens qui ont besoin du soutien. Il faut penser comment encourager la naissance du deuxième et troisième enfant. Les femmes qui sont plus âgées. Donc, pour tout le monde, nous avons voilà, réglé la question d'une telle ou telle façon. La question avec les écoles maternelles de 3 jusqu'à 7 ans. Et cela est aussi un élément positif du point de vue de la politique sociale dans notre pays pendant les dernières années. Je pense 98% de problèmes ont été levés. Mais il n'y a pas de crèche. Et pour les jeunes mamans qui ne veulent pas quitter leur profession ou veulent acquérir une profession, elles ont besoin de crèche. Il faut avoir un programme spécial. Il faut toute une série de mesures. Et aujourd'hui, sincèrement dit, nous avons prévu une réunion au niveau du gouvernement. Je vais discuter de cela, mais je ne veux pas dire des futures mesures que nous allons proposer, mais vous pouvez.
terroristes remportent la victoire. Allez, c'est parti! Ça va péter! Remporte la victoire. Terroriste remporte la victoire. Ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! La victoire. Tenez-vous prêts. Terroriste remporte la victoire. Ça va péter! Terroriste remporte la victoire. Ok, on y va! Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Five, in 3 seconds. Ok, on y va!
va péter! Ça va péter! Le groupe antiterroriste rentre. Ok, on y va! Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Allez, c'est parti! Restez groupés! Ça va péter! En place. Les terroristes remportent la victoire. Groupe rassemblement. Groupe. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Allez, c'est parti! Ça va péter! Bombe en place. Ça va péter! Ça va péter! Remporte la victoire. Go, go, go!
Place. La victoire. Stop it!
la victoire. Bonbon place. Remporte la victoire. Tenez-vous prêts. Place.
go, go! Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Go, go, go! Place. Les terroristes remportent la victoire. Ok, on y va. Antiterroriste remporte la victoire. Tenez-vous prêts.
parle beaucoup, c'est vrai. Mais moi, ça ne me dérange pas. Car quand tu parles beaucoup, tu sais, moi, tout ce que j'entends, c'est bla bla bla, bla bla bla, mon patron, bla bla bla, ex bla bla, gros con. Il faut regarder la vie avec le sourire, sinon on a envie de mourir, à moins que t'aies envie de te suicider. Il faut l'avoir du bon côté. Si t'es en chimio, que tu ne le vis pas bien, pense à tout ce que tu vas économiser en shampoing. Si tu trouves ça trop chiant d'être en fauteuil roulant, rappelle-toi toujours que marcher c'est fatigant. Si t'as de la peine pour les clodos dans ta cage d'escalier, dis-toi que au moins ne se ruine pas en loyer. Si le trafic d'enfants tu trouves ça trop cruel, dis-toi que pour beaucoup c'est leur seule chance de voir la tour Eiffel. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Si tu maudis la vie à cause de ta cécité, au moins grâce à elle tu ne verras jamais Julia Courbet. Et si tu es sourd, bah là c'est un peu con, parce que tu ne peux pas entendre ma chanson. Si tu n'as plus de quoi t'acheter à manger, tu vas maigrir, tu vas être bonne, tu vas choper. Si depuis que ta famille est morte, tu es un peu amère, pense à tous les cadeaux de Noël que tu n'auras plus à faire. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Je te proposerais bien de rester dormir chez moi si tu n'étais pas si bête. Mais je préfère encore me faire arracher un bras plutôt que t'écouter au petit-déj en tête-à-tête. Je te présenterais bien à mes copains si tu n'étais pas si laid. Mais à ce jour, je crois que même mon chien pense que je ne suis avec toi que pour les papiers. Et tu sais, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie, c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je te présente très bien à ma grand-mère si tu étais un peu plus blond. Mais les médecins sont formels, c'est un cancer, c'est pas le moment qu'elle retouche à son testament. Je te demanderais bien d'enlever tous tes habits si tu n'étais pas si sale. Mais je viens juste de faire nettoyer mes tapis et il m'a semblé voir du cérumen dans tes poils. Je te ferais bien un petit truc à manger, mais je crois que t'es déjà bien assez gros. Et je suis fatiguée d'avoir tellement marché parce que tu ne rentrais pas dans la Clio. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps.
la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je t'offrirai bien un dernier verre, mais je crois que t'en as pas besoin. Laisse-moi déjà enlever ton vomi de mon pullover et vider mon sac à main. Je te demanderai bien de me parler de toi, mais vraiment j'en ai rien à taper. Parce que ton crédit et ton deux pièces et tes chats, ça me donne juste tellement envie de crever. Je te dirai bien comment je m'appelle, mais je ne veux pas donner de faux espoirs. Tu sais, c'est juste un petit coup derrière la poubelle. On n'est pas non plus dans une chanson de Grégoire. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je suis tellement contente de ne pas être noire, de ne pas être arabe, d'être du bon côté de l'histoire. C'est quand même trop cool d'avoir deux jambes, deux bras, d'avoir le hasard pour soi, d'être tellement mieux ici que là-bas. Ouf, 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 moi-même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère. Toi tu fais moins le malin maintenant que t'as vendu tes deux reins. Et m'emmerde pas avec ton sida où j'éteins mon écran plat. La 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 la. C'est ma foi bien mieux de ne pas être trop moche, de ne pas être trop grosse, de pouvoir tout foutre sur le dos des poches. Je suis bien contente d'avoir une maison et un lit, pas vendre mon cul pour 10 roupies. Ma tête n'est pas dans celle des mille louis. Ouf, 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 moi-même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère. Toi tu fais moins la fière depuis ton viol dans le RER. Et me saoule pas avec ta polio où j'éteins ma radio. De ne pas avoir d'argent, d'être sale et tout puant, de ne rendre personne triste en mourant. C'est vachement rassurant de me dire que j'y suis pour rien, de me dire que c'est le destin, de me dire qu'on a que ce qu'on mérite et c'est très bien. Ouf, 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 moi-même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère. Au lieu de suicider, tu ferais mieux de bosser. Moi je nourris pas mes gosses aux allocs. Et toc. Et toc, et toc, et toc. Et toc, et toc, et toc. La 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 la. La 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 la. Tu sais, ta stérilité, tout le monde s'en fout. Autant que des bouts de verre coincés dans ton genou. Personne n'en a non plus grand chose à faire. Que ce soit bizarre d'apprendre que ton père c'est ton frère. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la.
En vrai, ton overdose dans les toilettes du bistrot. Au pire, ça perturbera juste l'apéro. Et tu peux pleurer parce que t'as vu tes enfants mourir. Nous, tu sais, ça nous empêche pas de dormir. Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la. Alors avant de nous accabler de ta tristesse, demande-toi avant si ça nous intéresse. Et tu verras que bien souvent la réponse à ta question, bah c'est non. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la. La 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 la. Entretiens ta graisse, c'est bien tout ce qu'il te reste. Et toi, mais oui, mais cours, cours vite, cours toujours plus. Mais surtout, mange-toi un bus. Et l'autre qui parle tout le temps, ça a l'air intéressant. Mais je crois qu'il est tout seul sur son banc. Plus je regarde par la fenêtre et plus j'ai envie de sauter. Cet idiot, il faut bien l'admettre, surtout quand on habite au rez-de-chaussée. C'est quoi cette bande de poufias, rien qu'à les regarder, je comprends qu'il y ait des PD. Et toi, arrête de crier au secours, tu vois bien que tout le monde s'en fout. Non mais tu t'es cru où? Attention où tu mets les pieds. Oh, trop tard, tant pis. Oh non, ça va, c'est juste du vomi. Or voilà le monsieur d'hier, le gentil grand-père, tout nu sous son imper. Plus je regarde par la fenêtre et plus j'ai envie de sauter. Cet idiot, il faut bien l'admettre, surtout quand on habite au rez-de-chaussée. Je ne m'attarde pas sur la vieille folle au caddie qui parle à ses biscuits. Entend s'arrête, écrit toute seule, qu'ils ferment tous leur gueule. Qui conseille aux passants d'aller se faire enculer, mais d'y aller en vrai. Je ne la regarde pas, j'ai un peu trop peur d'elle, un peu trop peur de devenir comme elle. Plus je regarde par la fenêtre et plus j'ai envie de sauter. Idiot, il faut bien l'admettre, surtout quand on habite au rez-de-chaussée. Si tu me vois à ma fenêtre, dis-toi que je vais peut-être sauter. Mais ça va, c'est pas grave, t'inquiète, malheureusement j'habite au rez-de-chaussée. Notre vie à en faire quelque chose. On fait de notre mieux, bon, même si parfois c'est vraiment pas grandiose. On passe notre temps, le temps qu'on a ici-bas, à tenter de le remplir de jolis souvenirs qu'on emportera dans notre caisse en bois. Et puis arrive un jour où tu bois un peu trop, où tu te dis, tiens, ici j'enlevais la selle de mon vélo. Tu pédales
tu pédales et puis tu butes sur un pavé. Et t'as mal, et t'as mal, et t'as mal, et t'as le côlon perforé. Toi qui as passé ta vie à faire toujours plus d'efforts pour laisser une jolie image de toi après la mort. Toi qui as toujours tendu vers une sorte d'idéal. T'es mort et puis t'es mort comme un con avec une hémorragie rectale. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour que la mort vous prenne au pire moment. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour tout gâcher au dernier moment. On passe notre existence à lui donner un sens. On se donne beaucoup de mal pour justifier notre présence. On cherche son chemin, on cherche sa place, on se plaît à rêver que peut-être on laissera une trace. Et s'il est vrai que l'on laisse toujours quelque chose derrière soi, et parfois c'est bien dommage, souvent il ne faudrait pas. Surtout quand le dernier témoignage que tu laisses de ton passage, c'est une boule de soumission coincée dans ton œsophage. Reste plus qu'à espérer que quand on part, on s'en va vraiment. Que notre âme ou je ne sais quoi ne reste pas flotter parmi les vivants. Moi, je crois que ça me rendrait triste, peut-être même triste vraiment, de voir que même ma propre mère n'est pas venue à mon enterrement. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour que la mort vous prenne au pire moment. Est-ce que ça vaut bien la peine de s'en donner tant? Si c'est pour tout gâcher au dernier moment. Elle se levait, comme toi, elle prenait son petit déjeuner. Comme toi, parfois, elle rigolait. La meuf à Michel fournirait. Comme toi, elle faisait des bisous. Comme toi, elle était plus grande debout. Parfois elle marchait sur des cailloux. La meuf à Marc Dutroux. Ceausescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis ont tous été des enfants. Comme ta maman, parfois elle avait froid l'hiver. Et comme elle aussi, elle avait des ovaires. Comme elle, il lui est arrivé d'éplucher des pommes de terre. La mère à Himmler. Comme à toi,
lui grattait le dos. Comme toi, souvent, elle buvait de l'eau. Comme toi, elle écoutait la radio. Véronique, Véronique Courgeot. Chao Chescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis ont tous été des enfants. Chao Chescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis ont tous été des enfants. Des enfants. Des enfants. Quand t'es tellement gros que tu ne peux plus te torcher tout seul, qu'on doit raser toute une forêt pour te fabriquer ton cercueil, quand on n'arrive plus à définir de quel sexe tu es, quand tes organes génitaux sont ensevelis sous tes bourrelets, quand en un repas tu accumules dans ton estomac de quoi nourrir toute l'Afrique pendant 3 mois, quand en mettant un pied dans la mer tu fais déborder l'eau, quand tu ne peux plus espérer pécho que sur Doctissimo. La vie parfois est sympa et te donne des petits signaux, mais sans doute ne les vois-tu pas à travers tes paupières de gros. Quand tu accouches sans même t'être aperçu de ta grossesse, quand on ne distingue plus ton dos de tes cuisses, de tes fesses, quand tu ralentis les escalators et fais dérailler les trains, quand pour changer tes tampons tu fais appel à un médecin, quand tu ne t'habilles plus qu'avec des tentes quechua, quand tu ne sens même pas que tu t'assois sur ton chien, sur ton sofa, quand à la moindre pente tu te mets à rouler, quand tu ne vas plus à la campagne parce que les veaux veulent te téter. La vie parfois est sympa et te donne des petits signaux, mais sans doute ne les vois-tu pas à travers tes paupières de gros. Quand ton appart ressemble au studio de chérie, j'ai rétréci les gosses. Quand on ne sait même plus si t'as un kyste ou juste une bosse. Quand ton bébé entier est plus fin que ton avant-bras. Quand même le béton se rompt sous ton poids. Quand à côté de toi, Guy Carlier est anorexique. Quand le simple fait de te moucher est acrobatique. Quand tu deviens le logo de mangerbouger.fr. Quand les seules meufs qui te touchent pour de l'argent sont infirmières. La vie parfois est sympa et te donne des petits signaux, mais sans doute ne les vois-tu pas à travers tes paupières de gros. Au lieu de te faire refaire les seins, tu ouvrais plutôt un bouquin. Si au lieu de coller des flammes sur ta Fiat Panda, t'allais un peu baiser ta nana. Si au lieu de faire un potager bio dans ton jardin, tu t'épilais la moustache sur une femme, c'est vilain. Si au lieu de regarder la rediff du juste prix, essayez de te rappeler du prénom de ta fille. Les vraies priorités ne sont pas toujours celles que l'on croit. Les vraies priorités sont parfois des petites choses auxquelles on ne pense pas. Si au lieu
lieu de faire des transferts de Youski sur tes vêtements, t'apprenais à lire à 40 ans, il est temps. Et si au lieu d'acheter des manteaux pour ton Yorkshire, t'envoyais des fleurs pour l'enterrement de ta mère, si au lieu de prendre un crédit pour t'acheter un écran plat, t'éteignais un peu celui que t'as déjà. Et si au lieu d'essayer de comprendre la Bible, tu prévenais ton gosse que ce champignon n'est pas comestible. Les vraies priorités ne sont pas toujours celles que l'on croit. Les vraies priorités sont parfois des petites choses auxquelles on ne pense pas. Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Écoute ma chanson et trouve la solution. Ne désespère pas, on ne va pas te laisser comme ça. Il existe plein de moyens d'adoucir ton chagrin. Tu peux te jeter d'un pont dans la Seine, ou dans ta baignoire t'ouvrir les veines, te pendre dans ton salon, ou encore essayer l'autostrangulation. Mais te jeter sous un métro, c'est abusé. C'est pas parce que ta vie pue qu'il faut faire chier. Et sauter de ta fenêtre, c'est pas très réglo. Pense à ton concierge qui devra balayer tes os. Meurs, 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 qu'on n'en parle plus. Meurs, 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 meurs. De toute façon, ta vie est foutue. Meurs, 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 je te dis. Meurs, ta vie est trop moisie. Une mort assez sympa, c'est les médicaments. C'est plutôt propre et tu pars en planant. Mais tu peux aussi déménager dans la Creuse, si tu préfères une mort lente et ennuyeuse. Crier à la Wakbar dans un aéroport peut aussi considérablement avancer ta mort. Écouter en boucle le CD de Florent Pagny, mais encore faut-il vouloir mourir dans son vomi. Il y a toujours les bons vieux classiques, comme t'étouffer dans un sac plastique. Mais Nicolas Hulot trouverait ça très vilain. Si tout le monde le faisait, il n'y aurait plus de dauphins. Meurs, 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 qu'on n'en parle plus. Meurs, 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 meurs. De toute façon, ta vie est foutue. Meurs, 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 je te dis. Meurs, ta vie est trop moisie. Je n'aurai plus rien à chanter, je le ferai en anglais. Oh yeah, I have nothing to say, nothing to say, yeah. Quand je n'aurai plus d'inspiration, je ferai des ponts. Chanson dure plus longtemps, je pourrais la chanter très lentement. Comme ça je pourrais toucher plus de SACEM sans avoir à écrire des longs poèmes. Quand je n'aurai plus rien à dire du tout, je ferai des ouhouhou. Thank you.
pas de refrain. Je ferai taper les gens dans leurs mains. Tapez, tapez dans vos mains. Si vous êtes des gens, tapez dans vos mains. Quand je n'arriverai plus à trouver de mélodie, je pourrai faire du slam moi aussi. Assise seule au fond du bus, je pense à mon utérus. Qu'est-ce au fond ni moins ni plus qu'un petit utérus. Quand il me manquera un couplet, je mettrai de la musique pour vous faire danser. Vraiment, je ne ferai ça plus que pour le pognon. Je ferai des reprises un peu à ma façon. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, alors je t'encule. Et quand plus personne ne viendra à mes concerts, j'irai chanter au rayon saucisse de chez Leclerc. Saucisse, saucisse, par ici la bonne saucisse. À seulement 7,90€. Offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles. Et quand je n'aurai pas de refrain, je ferai taper les gens dans leurs mains. Tapez, tapez dans vos mains. Si vous êtes des gens, tapez dans vos mains. Et je pourrai reprendre encore une fois pour dire que même quand je n'aurai pas de refrain, je ferai taper les gens dans leurs mains. Tapez, tapez dans vos mains. Si vous êtes des gens, tapez dans vos mains.
Ah non. Ah non, pardon. Excuse-moi, rien. Connaissez-vous l'histoire de Jacky le nain qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main? Alors un matin, il décide de sauter le pas et s'en va chez les putains claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jacky lui dit « Oh bah Léon, ça a pas l'air d'aller. » L'homme tronc répond « Bah non, j'ai plus de main, je ne peux plus me branler. » Alors Jacky, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit « Jette du beurre, on va rue Saint-Denis. » Que tu sois gros, que tu sois petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jacky, tout le monde s'aime. En cheminant vers le bonheur, il rencontre le gros René, qui assis sur un banc pleure en mangeant son sandwich au poulet. Il décide de l'emmener voir les filles bon marché, et ça, ça le rend content, René. Il est trop gros pour se branler. En achetant des capotes chez l'épicier, il tombe sur leur bonne copine Laura, qui depuis son AVC ne sait plus dire que Laura leur demande Oh pute, tu viens ? Répond Jacky. Laura leur dit Ils prennent ça pour un oui. Que tu sois très gros, que tu sois tout petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jacky, tout le monde s'aime. En chemin, la joyeuse compagnie rencontre encore beaucoup d'amis. Robert l'incontinent, Marco le myopathe, Joseph le bossu et son chien à trois pattes. En les voyant arriver, les putes se mettent à courir et crier. Et même les mineurs sans papier cherchent un flic pour les protéger. On vit vraiment dans un monde sans pitié, où même les putes à 10 euros n'ont pas une once de charité pour des handicapés pourtant très rigolos. Et ça vaut bien la peine d'économiser 3 mois d'alloc adulte handicapé pour finir par se taper une nana qui fait que crier. Elle voulait un peu d'amour avant la mort. Elle voulait juste qu'on l'aime encore. Elle voulait qu'on lui enlève ses vêtements, pas seulement pour lui faire des lavements. Elle voulait qu'on s'intéresse à ce qu'elle a d'intime, pas uniquement pour des tests d'urine. Elle voulait être une vieille femme, s'appelle Henriette. On ne trouve pas l'amour dans les camionnettes. Quand on s'appelle Henriette et qu'on a 85 ans, l'amour c'était avant. Lui, il aimait même arthrosé, même fripé. C'était toujours la même en dessous de ses rides. C'est juste que maintenant elles sont un peu.
c'était toujours la même. Alors il n'a pas vu de problème. Au fait, qu'elle veuille qu'il aime. Le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. Seulement, c'est aussi celui de la femme. Heureusement. Ça fait Henriette. On ne trouve pas l'amour dans les camionnettes. Ce soir au dîner, quand sa femme préparera à la crème fraîche le fruit de sa pêche. Notre ami le ver ne faisait pas le fier dans le colon du poisson au milieu des pommes de terre. Quand enfin on servit le plat, il s'est dit c'est fini pour moi. Les enfants étaient contents, surtout la petite. De tous les poissons son préféré, c'est la truite. On lui donna la plus grosse part. Oh là là, quelle histoire! Elle qui était triste d'avoir perdu son papy, peut-être fière d'avoir eu en elle un peu de lui. Et plus tard, car la vie est ainsi faite, elle laissera son papy aux toilettes. Il faut être gentil avec les vers de terre. Grâce à eux, les morts reviennent sur terre. Il faut être gentil avec les vers de terre, car dans certains d'entre eux, il y a nos grands-pères. Tu crois que je ne sais pas, que la nuit tu ne penses pas à moi, que pendant que j'attends ton retour, tu vis d'autres amours. Tu crois que je ne me doute pas que loin de moi tu goûtes à d'autres fruits que tu croyais interdits. Tu crois que je ne remarque pas dans tes yeux quand je les vois un samedi sur deux que quelque chose a changé, quelque chose que tu ne veux pas m'avouer. C'est l'amour en prison. L'amour grâce à un tout petit pot de savon. C'est l'amour en prison entre garçons. L'amour en détention. Tu crois qu'il est possible de ne pas voir que tu as de plus en plus de mal à t'asseoir, que depuis que tu vis en captivité, ta mâchoire s'est déformée. Ta bouche se vide de ses dents, normal avec tout ce que tu dois mettre dedans. Et ne prends pas cet air triste, je sais bien que quand je serai partie tu vas courir te faire un fist. Et puis arrête de pleurer, comme quoi c'est dur de vivre enfermé. T'as pourtant l'air de bien t'amuser, petit enculé. C'est l'amour.
l'amour en prison. L'amour grâce à un tout petit pot de savon. C'est l'amour en prison entre garçons. L'amour en détention. C'est pas moi, c'est eux. J'ai dit la même chose quand t'as retrouvé tes potes dans mon pieu. L'excuse du viol, je la connais. Je l'ai beaucoup utilisée. Moi j'étais prête à t'attendre la vie entière, à te pardonner la séquestration de mon petit frère. Alors avoue que c'est dommage d'avoir tout gâché avec tes histoires d'amour en cage. C'est fini, je te quitte, au revoir. Je ne viendrai plus au parloir. Mais tu m'ôteras pas de l'idée que si t'avais pas envie qu'on te touche, je t'aurais utilisé du gel douche. C'est l'amour en prison. L'amour grâce à un tout petit pot de savon. C'est l'amour en prison entre garçons. L'amour en détention. Portait dans l'intérieur de son dedans un petit mal bien grand, oh, oh. Un petit diable qui s'est installé en lui, qui s'y sent bien et qui grandit. Un petit démon qui lui rongeait les intestins, qui grandissait en lui et on n'y pouvait rien. C'était un peu comme porter la vie en quelque sorte. Ouais, mais bon, la Jean-Pierre aurait bien voulu que ça sorte. Le petit pervers solitaire qui grandit en Jean-Pierre, cancer colocataire des viscères de Jean-Pierre. Le Lucifer qui squattait en Jean-Pierre grandissait à une vitesse spectaculaire. Il pouvait à terme atteindre 12 mètres de long, soit 10 de plus que le pauvre garçon. Jean-Pierre savait qu'un jour son pervers solitaire sera le maître et non plus juste un adversaire. Mais bon, comme le tuer, ce serait un peu mourir aussi. Eh ben, tant pis. Le petit pervers solitaire qui grandit en Jean-Pierre, cancer colocataire des viscères de Jean-Pierre. À force de le grignoter, le pervers solitaire a fini par manger tout ce qu'il restait de Jean-Pierre. Une fois libre, une fois dehors, une fois grand, il fit tout ce qu'il ne pouvait pas faire enfermé dedans. Mais cette tragédie est toute relative des lecteurs du nouveau détective. Sans elle, y aurait sans doute eu du chômage en prison et personne chanter à l'unisson. Le petit pervers solitaire qui grandit en Jean-Pierre, cancer des viscères de Jean-Pierre. Le petit pervers solitaire cancer propriétaire des viscères de Jean-Pierre. Vous, mes voisins qui vivez en face de chez moi, vous qui me saluez quand on se croise en bas, vous ne saurez jamais le film à chaque fois que vous copulez, que c'est grâce au succès que
vidéo, que j'ai pu me payer ce vélo que vous aimez trop. Mais c'est embarrassant car quand je vous souche, j'ai mis latex sur vos tapis. Il y a tant de choses qu'on ne saura jamais. Le monde est tout plein de secrets. Et cette jeune momie qui gentiment se lève quand une vieille monte en station. Elle se tient à la place où sont ses mains étaient celles de Marcel. Marcel, 53 ans, maître à donjon sans s'être lavé les mains. Elle ne saura jamais qu'en leur faisant des câlins en rentrant, elle a frotté sur ses enfants. Il y a on ne se saura jamais. Le monde est tout plein secret. Et une hôtelle qui a dû les tenter tant votre mari exceptionnel. Vous ne saurez jamais que se masturbe sur vos pieds. Que terre a dû à vos escarpins trop hauts et trop pointus. Et que non, monsieur n'a pas de problème érectile. Il est juste. Jamais le monde un petit secret. Il l'a trouvé au bord du chemin, derrière la porte de Pantin. Trottoir, elle avait pas dit oui, oui, mais chacun le sait qui ne dit mot consent. On ne va pas la plaindre, elle était un peu con. On reste à la maison si ça lui plaisait pas. Mais ce autre qui a dit qu'on ne pouvait pas faire mal avec un comprenne le pauvre garçon que si elle pleurait, elle était pas. L'amour, ça vous tombe dessus. Et moi, c'est au coin d'une rue. Du-du-du-du. Et il pue. Mais la magie de l'amour, c'est l'inattendu. Pour qu'elle puisse essuyer, il lui pour quand il la vit partir en rampant, il sentit son bœuf, ses frères. Elle aurait pu lui dire qu'elle ne voulait rien de sérieux. Le gars tombe amoureux. Comment pouvait-il alors qu'il voyait en elle la femme de sa vie, ça reste de son existence. Lui ou les trottoirs de France, mais plus jamais il ne vécut une pour tristesse, il s'est jeté sous un camion. L'amour, ça vous tombe dessous. Oh 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 oh, et parce parfois ne vous laisse que des crocs aux genoux. Dessus, dessous. Mmh.
pendant que je me mouche dans mon histoire folle. Tu préférais être mort plutôt que je ne Est-ce que tu me maudis pour ton découvert Comment pas manger mon dessert Pas que tu une pute, ce serait mieux. Est-ce que ce n'est pas un peu fatigant? Non, vraiment? Mais pourquoi dans un peut-être je te raccompagne à Ibis? Compris si tu m'avais frappé en m'entendant dire bon bah merci, bonne soirée. De rue plus loin, t'aurais au moins pu te faire sucer. Entre nous, mon petit ami, tu ne crois pas que pour ce que tu veux, une pute ce serait mieux. Toi, moi, mon petit loup, mon